Darksider, épisode 2. Salut à tous et à toutes. Je suis Kerkades. Et je vais reprendre là où nous en étions arrêtés. Alors, le conseil ardent. Il y en a deux. Je vais prendre celle-là, voilà. Pour la peine. Je n'ai pas joué depuis un jour, et oui, c'est incroyable. J'ai attendu un peu avant de reprendre. Et donc, nous revoilà au Conseil Ardent. Mon épée m'attendait. Je dois absorber le chaos. Eh bien, elle absorbera le chaos que j'entraînerai dans ma route, dans mon sillage. Alors, prenons donc cette magnifique épée. Oh! L'absorbeur de chaos, la légendaire épée de guerre, War, également privée de ses pouvoirs. Non, il va falloir. Oh, geyser de l'âme. Grâce au pouvoir de l'absorption de chaos, cette attaque provoque l'éruption d'un champ de l'âme mortelle autour de guerre. Requis un truc bizarre. Requis un truc de courroux, voilà. Vous avez obtenu le premier pouvoir de courroux. Les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer. Oh. Je verrai ça en temps et en heure. Attends, ils m'ont dit de regarder. Alors je regarde. Associé doré et pouvoir de courroux. Sélectionnez le pouvoir de courroux ou doré, doré rare. Ou associez l'objet sélectionné à une touche action. Appuyez sur L1, puis ensuite faire une combinaison OK pour de carré, triangle et trucs j'en passe. Hello, hello. Oh là là, cet absorbeur de chaos. Alors. Pour l'instant, nous allons continuer notre route. Nous allons nous venger. Venger de je sais pas quoi, mais on va le faire. Ouh. Âmes. Les âmes se manifestent sous trois formes. Monnaie d'échange, en bleu. Santé et courroux. Oh. Très rarement ses services, mais peut-être trouverez-vous un arrangement. Depuis quand le conseil traite-t-il avec les démons? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant destructeur. Vulgrim fait partie de ceux-là. Il nous réclame une audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis bien trop longtemps. On va aussi la planète Terre après 2018. Ah oui, hein, ça a sacrément changé. On dirait que le voyage n'a pas été très plaisant. Comme tu l'as été. Oh mon dieu! Est-ce qu'un nouvel ordre? Je suis ton seigneur et maître. Quand je dis avoir, tu avoir. Quand je dis assez, tu t'exécutes illico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. Ziegler, je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Pas content. Brave bête. Ta gueule. Donc, on va faire comme s'il n'était pas là. Haute Séraphin, trouvez le démon Vulgrim. Le conseil n'a jamais traité avec les démons. C'est pour la peine que je balance cette voiture.
Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une dame. Où est-ce qu'il en reste? Alors, nous pouvons voir ici les cadavres. Encore et encore. Attends, comment on fait? Attends, guerre peut s'accrocher. Ah! Mais oui! J'avais oublié. Oh là là, voici le comité d'accueil. Ah bah, ah. J'avais oublié qu'il avait dit ça. Mais ça me semble logique. Je vais leur dire bonjour. Et ça va leur botter. Eva, alors, ah oui. Alors, ça c'est pour esquiver et. Alors, je vais peut-être pas faire ma grosse attaque de lame tout de suite. Mon attaque d'adrénaline. Là, vous voyez, c'est carré. Elle en est carré. Alors, dans cette salle, il y a pas grand-chose. Donc, je vais. Buter quelques personnes pour me faire un peu de place dans cet endroit. Alors, tiens, je vais prendre cette poubelle. Oh lolo, mais qui est-il? Il est moche. Ah, bon bah. Oh. Le gameplay est tellement prenant. Alors, lueur du gantelet. Le gantelet de guerre se met à briller lorsqu'une interaction est possible. Appuyez sur rond pour interagir. Bon, comme ça par exemple. Oui. Et toi? Croyez quoi? Alors... Ah. En bas. Encore de la morve. Oh. Et bah. En haut, il y a quoi? Attends, je me demande ce qu'il y a en haut, mais je me demande aussi ce qu'il y a en bas. Alors, en bas. Ah! En bas! Il n'y a pas grand chose. Alors, revenons à nos moutons! Voilà, espèce de gros lard. Tu crois que je t'ai pas vu? Fais un peu de régime. Ça t'apprendra. Aïe, ouh. Eh hey, vous là. Ouais, je vous ai pas vu tous. Prends ça, ça t'apprendra. Aïe. Prends ça. Donc ça mon attaque de l'âme. Wow. Oh là là là. Ah. Donc ça c'est un coffre de santé. Bon je le prends parce que j'ai envie. Mais sinon je n'avais pas vraiment besoin. Prenez ça. Oh là là. Tellement plaisant de défoncer comme ça du zombie. Bon, je les appelle les zombies, bah ça l'est sûrement. Hein. De toute façon, c'est humain. Tout ce qui est humain est un peu. C'est des zombies, pour moi. Ça se voit que c'est humain, c'est tout petit. Regardez. Bah. Déplacer des objets. Oui, bah. J'ai une grande force. Tellement une grande force que je peux déplacer cet objet. Je sais pas à quoi ça a servi, mais moi ça va me servir. Voilà. Alors.
qui ont ceci. Est-ce que je peux donner des coups? Ouais. R1 et ça pour me déplacer rapidement. R1. Ah ok. N'ai pas besoin de R1. Faut mourir. Jean-Michel Bruitage est de retour. Bon, je vais peut-être pas tous les tuer quand même, les pauvres. Après, il y en aura plus. Enfin, il y en aura toujours, de toute façon. Je dis ça, je dis rien. Alors. Allons ici. Ah bah, c'est un peu vide. Hein. Ah! C'était un peu vide, et cette salle aussi, elle l'est un peu. Je me demande, parce que quand même, c'était des putains de gros endroits. Hein. Bon, là, je pense que c'était évidemment une salle de bal, je pense. Avec des tables, peut-être un restaurant. Mais un putain de gros restaurant. Hein. Prends ça. Oh, mourir. Aïe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est un peu gros. Prends ça. Aïe. Tu fais mal, toi. Oh là là, comment je lui... Je lui mets sa race. Ta race. Le truc bizarre. Oh putain. Oh là là, j'ai fait une mauvaise action. Ça c'est le karma, ça c'est le karma. Déjà. Oh merde. Point, coup de poing. Oh là. Voilà. Ça t'apprendra à être moche. Dans ce jeu, nous tuons des moches. Enfin, ils sont stylés pour des moches. Ah. Ça, c'est là d'où je venais. J'ai reconnu la salle. Les ascenseurs. Alors. Ça doit être quelque part par là. Et là, ça va s'effondrer. Ah, j'en étais sûr. Bon, je pensais que ça allait être le sol qui allait s'effondrer. Alors. Oh là là. Non, tu te tais. Bon, prends ça. Toi, je vais te laisser là. Ça t'apprendra. Alors. Encore un coffre de santé que j'ai pas besoin. Et une magnifique tour. La croisée des chemins. Combien de temps j'étais absent? En temps terrien, environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus d'âmes qui vivent par ici. Et les zombies, qu'est-ce que c'est? Alors, le troisième royaume est perdu. Non. Et bah, Eva. Oh là là. Qui est-ce qui rigole? Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Vulgrim. Ah, c'est donc toi. Le conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas, tu n'es sûrement pas venu les mains vides. Tu peux repartir d'où tu viens. Non. J'ai de l'argent. Tu manges mon argent. Et bah. Vous avez de très jeunes
Oh putain, pédophile. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le destructeur. Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance. Là-bas. Ah. C'est un peu loin. Tu es donc si pressé de mourir. Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple. Arrête de toucher mon nez. De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors ? Satisfait ma faim. Oh. Et je satisferai ta curiosité. Marché conclu. Sans sang. Marchand de la mort. Parlez avec lui. Perdre patience, cavalier. Chercheur de trésors. Un objet démoniaque vivant qui est à l'entour d'un cœur. Apporte-moi les âmes. Mais d'accord, d'accord. Pas la peine de t'excitouiller. Du verbe excitouilloir, évidemment. Alors. Vous. Oh bah, c'était pas elle, mais c'était pas lui que je voulais prendre. Alors. Ce coffre m'intéresse. Je le prends. Wow. Alors, et sur la carte, on peut voir que là, il y a un autre coffre. Mais, je ne sais pas comment le prendre. Je ne peux pas prendre cette arme. Il est au-dessus, peut-être. Ouais. Ah, regardez, là, il y a un truc bleu dans le ciel. Ça, je pense que ça va être un outil. Je l'ai jamais terminé, ce jeu. Eh oui, c'est triste. Mais je pense que ça va être un outil qu'on aura au fur et à mesure du jeu et grâce à oh il y a des corbeaux, ils viennent, ils s'incrustent. Attends. Ah non, je peux pas le prendre. Je voulais prendre le corbeau. Est-ce que je peux le tuer au moins? Reviens ici. Ouais. Voilà. Donc cet outil nous permettra sûrement d'aller récupérer le coffre qu'il y a sur ce truc bizarre. Sur cette arche. Alors. Et toi là, prends-toi. Trop un peu. Ouf, j'aurais pas aimé. Ah bah moi je m'amuse. Je tape des gens, ça me va. Alors. Non mais. Je sens que j'aurais un peu de mal à récupérer chaque fois. Oh de là. Hé hey, toi là. Prends ça. Hé. Ouh. Oh, puisque tu t'amuses, moi aussi je vais m'amuser. En te voyant souffrir. Ah bah c'est moi qui dis ça, c'est moi qui me le fais. C'est moi qui me le prends. Oh putain. Oh ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Aïe. Je l'ai esquivé pourtant. Bon, pas assez, je pense. Ah. Revers patriarcal. Ah bah, pas content. Ouais. Je sais pas si je prends ce coffre de vie. Me servira pas grand chose. Là par exemple, je sais que c'est un point ou un truc en tout cas qui me permettra de le détruire. Parce que je ne peux pas encore le faire. Et... Attends. Ah oui, voilà ce que je voulais aller. Où est-ce que je voulais aller? C'était le métro. Oh, les métros parisiens évidemment. Même si nous ne sommes pas à Paris, je dirais plus à New York. C'est presque pareil. Tant que c'est des métros. Alors. Enfin. Prends ce coffre.
Et là, je me rappelle de quelque chose. C'est qu'il y a des choses sous l'eau. Oui, bon, nager, ça je sais. Artefact du soldat. Les objets sacrés de la Légion que Vulcrim convoite. Oh. Attends. Il y a peut-être un autre truc ou pas, je sais pas. Ah non, bah non, c'est bon, j'ai tout. Je marche pas sur l'eau, merde. Je ne suis pas un ninja. Je ne joue pas à Ninja Gaiden, voyons. Ninja ouf que d'un. Alors. Allons par là. Et donnons son argent. Ah, l'autre con. Ah merde, il me manque encore un peu d'argent. On l'appelle, je vais casser des arbres. Ça va me donner des âmes. Attends, et je sais que... Ce coffre en haut, c'est de la vie, mais l'autre côté, on a pas vu. Vous, m'en fiche de toi. Aïe. Oh, et toi, non. Non mais, ouf, je suis pas prêt du coup. Ça aurait été une honte. Mais qu'est-ce que c'est, un démon? Prends ça. Bloqué. Bloqué. J'ai tendance à... Mais putain... Oh putain, ces petits cons qui me font chier. Non. Mais c'est pas possible. Moi, je voulais le bloquer. Ah. Bloqué. Bon, attends. J'ai tendance à bloquer. Bloqué. Bloqué. Ah. Il est allé dans l'espace. Oh ça, je n'ai pas besoin de vous. Alors. Oh putain, c'est quoi cette chaise qui... Elle est magnifique cette chaise. Elle est toute en cuir. Oh là. Bon bah. Alors, je prends ceci. Oh. J'ai pris les armes. Attends, rapporter les armes à Vulcrim. Sauf que... Ok. Ha. Mais ça. C'est tellement stupide. Oh. Eh oui, je suis invulnérable. Je fais cette attaque-là. Défi, ne pas me faire toucher. Et défi échoué. Je n'ai pas vu cette attaque. Je pensais qu'il allait faire un petit coup à la con. Mais ah. On frappe. Je suis encore mort. Bon, le soin, je le prendrai plus tard. Elle, je la tue tout de suite. Prends ça et ça. Alors. Hey, prends ça. Oh. Alors ici, je viens parce que j'ai couvert un coffre. Putain, les finishes. Bon, c'est toujours les mêmes, hein. Sur les mêmes ennemis. Ah bah, c'est du verre. Bon, bah, je le prends peut-être pas tout de suite. Oh bah, je le prends pas. Alors. Que se passe-t-il ici? Oh, un coffre. J'ai l'impression que c'est une embuscade. Ah non. Alors, et c'est tout? Il y a juste ce coffre? Ah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Alors, reprenons notre chemin vers Vulcrim.
Ah, Vulcri. Ces anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ceci, on peut peut-être trouver un arrangement. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samael. Autrefois, la puissance de Samael était proche de celle du prince des ténèbres. Ah ouais, quand même. D'ailleurs même. Ouf. Il n'apprécie guère. Oh, jeu de mots. Quand tu auras réuni plus d'âmes, je serai récompensé. Les amis, je pense que il est content, premièrement, parce qu'il a bien rigolé. J'ai eu un trophée de déplacement, je sais pas quoi. Et crieur de terre, attendez. Une corne de aux gravures de maître. Appelé des portes antiques, blablabla, créature, crieur de terre. Ok. C'est pour bah allumer ces gros monsieur. Ah, si c'en est. Alors. Juste avant. Ah oui, monsieur. Je vais voir ce que vous vendez au moins. En chemin, tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves les artefacts de la Légion, apporte-les-moi. Je saurai être reconnaissant. Interesting. Hashtag intéressant. Ouais, je suis bilingue, ouais. Ouais. Échanger les artefacts. Eh ben, j'échange l'artefact. Ça me fait 500 âmes en plus. Alors, armes. Ok. Ça c'est pour mon épée, ça c'est pour acheter le moissonneur. Attends, et pas le moissonneur avant. La légendaire faux de mort peut massacrer de nombreux ennemis. Et grâce, ok ok, et ça je l'avais jamais eu avant. C'est peut-être sur PS4 justement. Parce que je sais qu'il y avait la faux lame massive et incurvée de faux, hein. Et justement je pensais que c'était la lame de, bah, de mort. De death, et en fait non, c'est celle-là. Putain, bon bah de toute façon j'ai pas assez d'argent, ça ne servira à rien. Bon, j'ai acheté d'argent pour m'acheter des petits trucs, mais pour l'instant je vais les laisser. Alors, et en quoi petit et humble marchand que je suis, tu te tais, un point c'est tout. Donc et bah je vais vous laisser. Et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime comme lui, parce que lui c'est mon poteau, c'est, il est gentil. Même si je lui donne des coups, il est gentil. Mais oui, il est gentil. Mais oui, t'es gentil. Ah, mais oui. Et donc, je vous laisse. Je vous, n'hésitez pas à aimer, partager, et commenter s'il y a des choses à redire et tout ça. Si vous voulez voir plus de cet épisode, enfin, si vous voulez voir plus, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, bye!